Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée de Ligue 1. Marseille face à Paris, c'est évidemment un match à part qui, bien sûr, depuis les années 2010, tourne souvent à l'avantage des Parisiens. C'était pas forcément le cas 20 ans plus tôt. Bon, ça reste deux grosses équipes de Ligue 1, mais évidemment, aujourd'hui, le PSG a pris le dessus. Le classement qui nous indique, Pierre, plutôt qui nous rappelle que l'Olympique de Marseille n'y est pas du tout cette saison. Ça fait vraiment trop de résultats décevants jusqu'ici. Toujours y avoir du retard à l'allumage en début de saison, mais là, on est à plus de la moitié du championnat et on ne prend pas vraiment le chemin d'une qualification pour la Coupe des Champions. Il faut enchaîner les bons résultats maintenant, si c'est pas trop tard. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Blaise Matuidi. Tertic. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Javier Pastore. Aurier. Ouais, il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Le Paris Saint-Germain qui va tenter de surfer sur la vague de sa dernière victoire à domicile face avec un tir. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Ça donne un corner pour les Parisiens. Le gardien qui boxe ce ballon. Oui, il l'a trouvé. Il prend sa chance. Ils attendent une ouverture dans la défense. Bonne intervention qui permet à Evra de récupérer le ballon. William Vainqueur. Hiroki Sakai. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Ça joue vite avec cette touche. Ils veulent dynamiser le jeu. Ça sera une touche pour l'OM. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Paf et Gomis. Le gardien qui se frise hein, sur cette tête. Hein. Ah, t'aimes ça les bouclettes, hein? Ouais, ça m'arrête facile. Thiago Silva. André Di Maria. Blaise Matuidi. André Di Maria, ils font tourner en attendant une brèche. Et la voilà la frappe. Et le but, il passe devant. Légèrement décalé, il a pu armer une frappe puissante sur la gauche. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Sanson. Il tacle. Edinson Cavani. Attention, il a du champ devant lui. C'est le défenseur qui touche le ballon en dernier. Corner donc. L'équipe qui a pris l'avantage. Probablement au meilleur moment. On revoit ce but qui fait si mal. Juste à l'entrée de la surface, il a décidé de tenter sa chance avec un tir tout en puissance sur la gauche. Il choisit la frappe. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Tertic. Patrice Evra. Blaise Matuidi. Di Maria. Elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Panel Kipembe. Aurier. Cavani.
Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ah, ça ne passe pas. Sanson. Oh, le ballon perdu dans une zone dangereuse. La passe en profondeur. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. La frappe. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Il est dépossédé du ballon. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. La geek. Allez, une touche bien placée pour le PSG. On s'approche du but. Ouais, bonne inspiration sur cette passe. Est-ce ce ballon qui traîne? André Di Maria, la frappe! Oh, le but pour le Paris Saint-Germain! On sent une équipe qui a pris la mesure de son adversaire, Pierre. Était déjà considérée comme la plus forte sur le papier, puis comme elle ne déçoit pas, qu'elle produit du jeu, bah, c'est logique de la voir prendre le dessus. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Tertic. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant, le score pour le moment 2-0. Pierre, votre analyse sur la première période d'André Di Maria? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but, son équipe mène donc. Bonne première période de sa part. Il va tenter de surfer sur la vague de sa dernière victoire à domicile face avec un tir. Allez, c'est parti pour la seconde période. L'Olympique de Marseille qui a engagé. Il est le vainqueur. Sanson. Hiroki Sakai. Et bien l'intervention, changement de possession. Krikoviak. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour de la Ligue 1 avec cette rencontre. L'Olympique de Marseille accueillera Angers à domicile. Ouais, un match que j'ai hâte de commenter avec toi, Hervé. Ouais, le ballon est perdu. Il va pouvoir frapper peut-être. Edinson Cavani. Ouais, c'est sorti. Passant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Belle passe en profondeur. Ouais, la lutte est après pour reprendre ce ballon. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Rémi Cabella, ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui. Edinson Cavani. Aurier. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Attention à la frappe. Ah, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Et la voilà la frappe. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, la frappe. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Oui, les joueurs affronteront les Merlus pour cette prochaine rencontre. Marco Verratti. Oh, ça va être dedans.
Ben, ça arrive de temps en temps, un joueur qui rentre et qui marque un but quasi immédiatement. Les joueurs parisiens qui accélèrent une nouvelle fois. Ils s'échappent tout simplement et leur adversaire est pas loin d'être à la rue en plus. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Ah, j'ai cru qu'il allait tomber, il est resté debout. Et la faute signalée par l'arbitre, c'est un coup franc pour les Marseillais. Avec un tir. Ouais, le bon plongeon de Kevin Trapp pour écarter le danger. Et Marseille va bénéficier du corner. Ah, les changements demandés par l'entraîneur. Zinedine Machache. Impérial, Kevin Trapp sur ce ballon. Les Marseillais auront la touche. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Est-ce ce ballon qui traîne? Oui, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Patrice Evra. Le PSG qui récupère le ballon. Ce sera une touche à suivre. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Aurier. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Attention, il n'y a plus que le gardien. Oui, le centre. Un centre, et au bout du compte, pas de danger. Patrice Evra. Rémi Cabella. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. André Di Maria. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. On est un peu déçus parce qu'on a assisté à un match déséquilibré quand même aujourd'hui. Ouais, on est presque soulagé que l'arbitre ait sifflé la fin du match, dis donc. Hein. C'est jamais marrant de se prendre une raclée. C'est sûr que quand on est sur le terrain, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine vite, vite, vite. Un petit commentaire peut-être sur la perf de Marco Verratti aujourd'hui, Pierre. J'ai trouvé qu'il avait livré un bon match. Il a participé à la victoire de son équipe en inscrivant un but. C'est toujours bon pour la confiance. We'll be right back.